évidemment que je souhaite réagir, parce que d'abord, pour dire une chose que nous devons noter dans notre espace public, nous n'attendons pas des félicitations de notre adversaire politique. Très bien. C'est-à-dire que lorsque votre adversaire politique se croit devoir vous donner des conseils sur la meilleure manière par laquelle vous devez procéder, justement pour leur donner le change, ça veut dire que la manière par laquelle vous procédez est la bonne. Ce n'est pas les gens du RDPC qui doivent dire à l'opposition, comme dans un contexte comme le Cameroun, que c'est à l'opposition de faire ci ou de faire ça, peut avoir une certaine crédibilité lorsqu'on a montré soi-même qu'on peut faire ci ou faire ça de sa position d'acteur du pouvoir, donc en capacité de transformer soi-même. Ce serait trop facile, quand on est du haut du perchoir, de dire que ce sont les opposants qui ne font rien. Admettons même que ce soit vrai. Vous qui êtes de ce côté-là, que faites-vous? Vous avez découvert subitement sur ce plateau que l'on peut parler à la jeunesse et que l'on peut parler au peuple pour les mettre en garde et les préparer aux enjeux de demain. C'est sur ce plateau, après mon propos, que vous l'avez découvert au point où vous êtes cru l'obligation de me rappeler qu'il fallait que l'on le fasse sur le champ politique. Monsieur Noufélé a rappelé tout à l'heure les prises d'otages. Je n'ose pas appeler cela des arrestations ou des procès. Les prises d'otages d'adversaires politiques, parce que ça, c'est le cas. C'est le cas, c'est le fait pour un régime aux abois d'utiliser, d'instrumentaliser, devrais-je dire, la justice, entre guillemets, et singulièrement la justice militaire, pour maintenir aux frais, privés de liberté, ceux qui précisément ne font autre chose que représenter la pensée contraire, la dissidence, l'opinion contraire, ce qui en démocratie est une valeur. Dans les pays qui l'ont compris, on donne même un statut à l'opposition. On donne même un statut, notamment au leadership de l'opposition. Dans les monocraties daltoniennes d'Afrique centrale, on consacre la répression. Et le professeur Alain Foguet a convoqué une image que je partage avec vous, monsieur Motte. Il n'y a pas de dictature qui se maintienne par elle-même. Il n'y a de dictature que parce qu'il y a des petites mains de la dictature qui relaient, qui popularisent, qui servent de relais comme pour dire quoi? À la dictature. Comme pour dire J'ajouterai, monsieur Motte, qu'il n'y a pas que les petites mains, il y a aussi des petites langues de la dictature. Tous ceux et celles qui, dans leur façon de parler, dans leur discours, pensent ou donnent l'impression qu'on peut justifier, qu'on peut accepter, qu'on peut tolérer la dictature, la privation de liberté. Les petites mains et les petites langues de la dictature sont celles-là qui consacrent l'état dans lequel nous vivons, cet état de monocratie et de démocratie. Mais alors, attention. Vous dites que ce serait une petite main, c'est ça? Si, je ne sais pas pourquoi vous vous sentez concerné. Je ne vous ai pas indexé. Ça participe de ce que je pourrais appeler. Mais je disais que. Je dirais. Si vous voulez. Républicain dans l'art. Si vous voulez, monsieur Motte. Je ne suis pas du tout Roland Kémou. Si vous voulez, monsieur Motte, je ne suis pas certain. Je suis dans la République. Monsieur Motte. Je défends la République. Don't take it as personal. Ce n'est pas personnel. Votre dictature virtuelle que vous décrivez n'existe nulle part, surtout pas au Cameroun. Nous ne disposons pas de. Quand vous parlez de la prise d'otage, monsieur Motte, écoutez, Roland, vous écoutez, parce que c'est mon temps de parole. Non, je ne peux pas également permettre que vous tenez ce temps de parole. Dans ce cas, vous aurez parlé une petite main. Non, je ne vous ai pas parlé d'une petite main de la dictature. Je ne vous ai pas parlé d'une petite main. Après des prises d'otage à l'intérieur de monsieur Motte. Pour cette raison-là, effectivement, il ne peut pas mobiliser au cours. Je vous en prie, permettez qu'il aille au bout de son point de vue. Nous sommes suivis en direct. Mais justement. Oh, c'est pas vrai. Nous sommes suivis en direct. Ne déformez pas les propos de quelqu'un. C'est bien ce que vous avez dit. Et je demande effectivement de regarder les émissions. Je ne répéterai pas parce que je crois que les gens nous ont bien entendu. Votre petit jeu qui consiste à tirer en large et en long. Là aussi, je suis revenu dans le petit jeu. Les propos qui sont pourtant très clairs pour leur faire dire. Des petites mains. Pour leur faire dire ce qu'ils ne veulent pas dire, cela vous engage. Je me suis exprimé de manière calme et je crois claire. Je l'ai dit et je ne le répéterai pas parce que je crois que c'était très clair. Je dis donc ceci. À l'époque du
du nazisme. Quand le procès de Nuremberg a eu lieu, oui. certains ont dit « nous obéissions aux ordres ». Les petites mains de la dictature pourraient le dire. Le nazisme. Mais le pire, le c'est nazisme. Pour ceux qui parlent leur discours. Parlant de son propre pays. Une république pour ceux qui dans lequel il a une liberté d'exprimer tel qu'il a atteint de le faire en ce moment. Il parle de nazisme. C'est pour ceux qui parlent leur discours se seront fait les chantres. Chapeau. Ce que j'ai appelé tout à l'heure les petites langues de la dictature. Alors on parle d'environnement. Je finis simplement en disant que nous sommes dans un environnement où la démocratie est l'exception et même la démocratie est une insurrection. Dans un environnement comme celui-là, je réitère mes propos de tout à l'heure, les peuples d'Afrique centrale, et celui du Cameroun en particulier, doit savoir que c'est à lui et à lui seul de prendre son destin en main et de se sortir aussi bien de la malgouvernance que de la domination.